Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Droit de Réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM, la radio communautaire francophone de Toronto. Ravi d'être de retour avec vous et avec nos invités aujourd'hui autour de la table virtuelle pour participer à un quiz audiovisuel, un quiz qui est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on remercie au passage, et un quiz aujourd'hui qui est destiné, chères auditrices et auditeurs, à vous faire partager l'histoire de Toronto avec un grand H, mais aussi quelques anecdotes historiques avec nos participants qui sont tous issus de la Société d'histoire de Toronto. Nous avons le plaisir aujourd'hui donc de recevoir des membres de la Société d'histoire de Toronto qui vont pouvoir tout d'abord se présenter. Je vais commencer par donner la parole à Roland Smith. Bonjour Roland. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Ça va très bien, merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Roland, en deux mots, puisque après le quiz, on aura l'occasion de parler de votre actualité et des programmes de la Société d'histoire de Toronto, mais voulez-vous peut-être juste nous rappeler depuis quand existe cette fondation d'histoire et quel est son mandat? La Société d'histoire de Toronto a été fondée en 1984. Quand Toronto fêtait son 150e anniversaire, il y a eu un comité formé pour avoir des activités spéciales lors du 150e, et il y a eu un sous-comité francophone. Et c'est ce sous-comité qui est devenu, après 1984, qui est devenu la Société d'histoire de Toronto. Voilà, un organisme toujours très actif aujourd'hui et qui nous permet de découvrir notre belle ville reine sous l'angle historique. À côté de vous, Christian Bode est également des nôtres aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Guillaume et merci pour cette invitation. Merci à vous, merci de vous être joints. Et puis j'ai également le plaisir de vous introduire, chers auditrices et auditeurs, à Christine Pilote-Ruland. Bonjour Christine. Ah, bonjour Guillaume et merci de l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci, plaisir partagé. Pour animer cette émission Droit de réponse, j'aurai le plaisir d'être assistée par Nathalie Salmeron, votre journaliste et animatrice de l'après-midi tous les jours de la semaine sur Retour de Choc. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Ravi d'animer de nouveau une émission Retour de Choc, une émission, pardon, Droit de réponse avec toi pour un quiz. Alors, le quiz, c'est toujours un format assez amusant. On va peut-être commencer sans plus tarder. On a pas mal de questions sélectionnées aujourd'hui et on a eu du mal à faire le tri, tant elles sont toutes intéressantes. On va voir si vous êtes, fin connaisseur de ces anecdotes qui font la richesse, la beauté de l'histoire de Toronto, avec donc cette première question, sans plus tarder. À quoi le mot Sienne fait-il référence? On parle bien sûr de la fameuse tour Sienne, la CN Tower, dans le centre-ville de la ville reine, une tour qui est évidemment un monument très visité, un monument touristique et un symbole de Toronto. Alors, CN, ce sont les initiales de quel acronyme? Je vous donne les quatre propositions. Canadian National, réponse A. Nord Canadien, réponse B. Naval Canadien, réponse C. Ou Nouveau Canadien, réponse D. Nathalie, il me semble que c'est Roland qui a commencé tout de suite par lever la main. Exactement, la main de Roland s'est levée très rapidement. Donc, Roland, je te laisse la parole pour nous donner la réponse. C'est la réponse A. Eh bien, effectivement, c'est une bonne réponse, Roland. C'est bien la réponse A. Le nom CN faisait à l'origine référence au Canadien National, la compagnie ferroviaire qui a construit la tour à la suite de la décision de la compagnie de chemin de fer de céder des actifs ferroviaires de fret non essentiels avant la privatisation de l'entreprise en 1995. Donc, c'était bien CN pour Canadien National. Une bonne réponse, Roland. Un point pour Roland. On continue donc dans notre quiz avec cette deuxième question, chers auditeurs. Toronto a élu William Hubbard, son premier conseiller municipal noir, ou on devrait dire peut-être aujourd'hui afro-descendant. C'était en 1984, réponse A. 1971, réponse B.
1894, réponse C, ou 1968, réponse D. Alors, c'est une question un petit peu plus technique, un peu plus dure sur une figure historique de Mais Toronto. Mais il me semble que Roland lève la main encore une fois en souriant. Roland, c'est la réponse C. Incollable, Roland, incollable, exactement. C'est bien la question, la réponse C, 1894. Hubbard a été élu conseiller municipal pour le premier de ce qui allait devenir 15 mandats. En fait, il a fait 15 mandats et on le surnomme le vieux Cicéron en raison de ses talents d'orateur. Voilà, et cette fonction de conseiller municipal, à l'époque, on l'appelait l'alderman. C'est une fonction qui, évidemment, est ô combien importante. On a un conseil municipal francophone ici à Toronto, faut-il le rappeler. On parlera peut-être davantage d'anecdotes et de détails historiques et de faits bien contemporains dans la deuxième partie de l'émission, mais on a déjà deux points pour Roland et on passe à la troisième question. Quelle distinction William Peyton Hubbard détient-il? Alors, là, on est sur cette même... dans la lignée, premier Torontois noir à faire le tour du monde, question A. Première personne à s'établir à Toronto après avoir fui l'esclavage par le chemin de fer clandestin. Réponse B. Premier Torontois de race noire à être élu à une fonction publique. Réponse C. Premier Torontois de race noire à occuper un poste de PDG d'une entreprise classée aux fortunes 500. Réponse D. Oui, Christian Bode a levé la main virtuelle en premier. Je dis que la réponse est la réponse C. La réponse C, Nathalie, est-ce que tu confirmes? Eh bien, c'est une bonne réponse. C'était le premier Torontois de race noire à être élu à une fonction publique. Exactement, Christian, ça fait un point. Voilà, c'était une sorte de petite tergiversation sur la première question au sujet de cette personnalité. J'en profite pour vous demander si... Peut-être, savez-vous, s'il y a des représentations de William Hubbard en ville, est-ce que l'on peut le voir quelque part, à votre connaissance? Oui, Roland, tu... Il y a probablement une plaque historique et il y a un livre qui a été publié sur lui. Je ne peux pas vous donner le titre exactement maintenant, mais il y a un livre sur sa famille. Alors voilà, une personnalité peut-être un petit peu oubliée aujourd'hui. Il y a une plaque. Et si je la plaque serait sur Broadview, que ça ne m'étonnerait pas parce qu'il avait une maison sur Broadview au sud de Bloor, je pense. Alors c'est possible que la plaque soit dans cet environnement. Excellent. OK. Eh ben, merci pour l'anecdote. Alors question numéro 5. Quelle ethnie à Toronto est la plus importante en dehors de son pays d'origine? C'est de diaspora que l'on parle ici. Quelle est la diaspora la plus importante à Toronto? Est-ce que c'est petit A, la diaspora italienne, petit B, la française, petit C, la portugaise, ou petit D, l'espagnol? Et c'est Christine qui a levé la main en premier. Alors, je devine, mais je crois que c'est la présence italienne. Bien, c'est une bonne réponse, Christine. Effectivement, la population italienne de Toronto est la plus grande population italienne du monde en dehors de son pays d'origine, donc en dehors de l'Italie. Et Roland, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Votre question, elle est un peu... parce que si on pense d'ethnie ou si on pense de langue parlée, oui. L'espagnol, c'est toute l'Amérique du Sud. Le portugais, on y ajoute le Brésil. Elle est pas très claire. Alors, on va faire part de votre remarque à notre conceptrice. Merci, non, en tout cas. Vous parlez du pays ou de la langue? C'est la raison pour laquelle je précisais plutôt la diaspora, qui est un terme qui peut-être recoupe un petit peu mieux les choses. OK. Question numéro 6. À Toronto, tous les sports étaient interdits le dimanche jusqu'à ce que les électeurs annulent la loi lors d'un plébiscite. En quelle année cette loi a-t-elle été promulguée? Est-ce que c'est en 1868, réponse A, en 1899, réponse B,
en 1912, réponse C, ou en 1950, réponse D. Roland, une fois de plus. Je dirais D. Et je vais faire un tour de table. Du coup, est-ce que Christian, tu aurais une ouais, réponse? Je dirais C, 1912. Et Christine, est-ce que tu aurais peut-être... Moi, j'aurais dit 1950 parce que la ville était trop plate avant. La vieille réputation de platitude de Toronto. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse? Eh bien, oui, parce que malheureusement, je n'ai pas eu de bonne réponse parmi les vôtres. Et oui, la réponse correcte pour cette question, c'était la réponse B, 1899. Ah bon? Ouais, c'était donc donc cette année-là, où la loi a donc été annulée et on a pu refaire du sport à partir le dimanche. Un quasi sans faute jusqu'à présent. Une loi bien surprenante, en tout cas que celle-là, pour l'anecdote. Pas de sport le dimanche, c'était certainement une question religieuse, j'imagine. On passe à la septième question. Quand la législature provinciale a-t-elle modifié les lois sur l'alcool pour autoriser ce qu'on appelle les bars à cocktails à Toronto qui pouvaient servir des boissons mélangées? Là encore, il s'agit d'une anecdote intéressante. Les boissons mélangées n'étaient, semble-t-il, pas autorisées à une certaine époque. Alors, quand est-ce que la loi a été modifiée? Est-ce que c'est petit A en 1867, petit B en 1929, petit C en 1965 ou petit D en 1947? Toronto avait une réputation abominable parce que j'ai habité Montréal pendant 25 ans et à l'époque, on appelait ça Toronto la pure parce que c'était un peu psycho-rigide. Alors je dirais que c'est assez récent pour la libéralisation des débits de boissons et des bars à Toronto est assez récent. Je vais aller avec C, 1965. 1965, carrément, Christian. Alors, est-ce que vous avez d'autres suggestions, Roland et Christine, sur ce changement de loi qui donc a autorisé les cocktails? Je serais d'accord avec Christian parce que pendant longtemps, ce n'était pas permis d'avoir quelques boissons que ce soit de servies même le dimanche. Hein? Donc, c'était interdit le dimanche. Alors, ça devait être au même moment. Toujours pour des raisons probablement liées à la religion. Roland, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, c'est la bonne réponse ou c'est pas la bonne réponse? Alors, Nathalie, confirme-nous. Alors, avant de donner la bonne réponse, je serais curieuse de savoir quelle serait ta réponse, Roland. Moi, je vais quand même aller pour... c'est curieux, 1929, il y a eu la prohibition à Toronto, mais elle était finie en 1929. Je vais dire 1947. Mais là ça encore, va aller peut-être parce le que temps Toronto, de... Toronto est une ville amalgamée récente, mais il y a eu ce qu'on appelle des quartiers de Toronto qui étaient encore secs, on va dire dry, ça s'appelait, et qui n'ont pas servi d'alcool jusqu'en 65. Probablement, il y avait le quartier de Hyde Park qui était dry, mais maintenant, ces quartiers-là, ils sont amalgamés à Toronto. Donc, ça change un peu ce qu'on connaît aujourd'hui comme Toronto. Ça valait le coup de prendre en considération ta réponse, Roland, puisque c'est la bonne réponse, effectivement. C'est en 1947 que Toronto a accepté d'avoir des bars à cocktails où on pouvait avoir donc ces fameuses boissons mélangées. Par boissons mélangées, je pense que c'était vraiment le fait de mixer de l'alcool avec une boisson peut-être soft, qu'on fait ce qu'on appelle... Et puis les bars avaient une partie où les hommes seuls s'asseyaient et une partie où il y avait les couples. On ne mélangeait pas les hommes et les femmes qui ne se connaissaient pas. Et si une femme seule rentrait dans un bar, elle devait s'asseoir? Non, elle rentrait dans la section hommes et femmes. D'accord. Vous alliez pas dans un bar. Heureusement bien changé. Ah, exactement. Non, il y a toute une histoire de la prohibition et de l'alcool. Alors, 1947, c'est quand même récent.
où mon grand-père s'arrêtait tous les soirs après avoir fini son quart à ce qui s'appelle The Wallace Room. C'est au coin de, c'est dans le bout de Broadview, Pape, je pense, à la sortie de la Don Mills. Et puis avant, justement, il y avait les deux entrées, entrée pour hommes et femmes et les entrées pour les hommes. Mm-hmm. Elles ont duré jusque dans les années 1970. Sûrement. Mm-hmm. J'étais à Toronto. Oui, j'étais à Toronto en 1982. Il y avait la Coupe du monde de football, football soccer. Oui. Et je cherchais désespérément un bar le dimanche après-midi pour voir les matchs. Ben, c'était difficile. Il a fallu que j'aille dans le quartier La Petite Italie et il y avait une famille qui regardait la télévision et je me suis assis avec eux. On avait les télés sur le trottoir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de télévision. Tout le quartier Kensington, les Portugais, avaient tous une télévision dehors. Alors, merci pour les anecdotes. Je crois qu'on a bien tordu le cou, heureusement, aujourd'hui, à cette réputation un peu de ville ennuyeuse, de ville laborieuse où on ne fait que travailler. Il y a quand même beaucoup de belles choses et de beaux endroits pour sortir aujourd'hui à Toronto. On en parlera peut-être. Ah bon, absolument, ça a énormément changé. Oui, et très récemment surtout. Passons encore à une question d'histoire avec cette huitième question. Les îles de Toronto qu'on connaît tous aujourd'hui, qui sont une des plus belles attractions touristiques peut-être, les îles de Toronto étaient autrefois rattachées au continent. Elles ne sont devenues officiellement des îles qu'après un événement. Voici la liste des événements. A, de violentes tempêtes en 1852 et 1858 qui ont créé un gouffre de l'Est séparant Ward's Island du continent. B, l'ancien maire David Miller, en partie dans le but de réduire l'utilisation de l'aéroport de l'île, aurait demandé aux équipes de construction de la ville d'élargir le Western Gap et d'en faire un canal permanent pour les plaisanciers en 2003. Petit c, les militaires britanniques qui modifiaient le port après la guerre de 1812 ont creusé le Eastern Gap pour permettre aux navires de guerre de fuir plus facilement York vers l'est pour rejoindre les fortifications supérieures de Kingston. Il ne s'agit pour tout ça que d'hypothèses, hein, mais elles sont bien formulées. Ou petit D, l'ouragan Hazel qui a frappé Toronto le 15 octobre 1954 aura transformé un petit chenal artificiel en un grand fossé permanent, le Eastern Gap. Est-ce que vous avez une idée sur la bonne réponse, Roland? Tu as levé la main, je crois. C'est bien moi. Toi qui le... Ah, c'est Christine. Excuse-moi, Christine. Alors, Christine, oui, pilote roulant. Alors, c'est A, de violentes tempêtes entre 1852 et 58, blablabla. Mais ce que je dois dire, que j'apprécie beaucoup l'imagination des gens qui ont créé les réponses B, C et D. C'est vraiment bien. Alors, tous les militaires britanniques, elle est bien, bien posée, celle-là. Oui, c'était assez plausible, il me semble. Nathalie, c'est bien ça la réponse, n'est-ce pas? Effectivement, c'est bien la réponse A, à cause de violentes tempêtes qui ont eu lieu entre 1852 et 1858. Et ça a donc créé ce gouffre séparant Ward's Island du continent. Alors, pour ajouter à la petite histoire, quand on lit des textes très, très anciens sur Toronto, les gens mentionnent qu'ils allaient faire du cheval. Mais c'était une péninsule, donc ils pouvaient suivre la péninsule et se retrouver sur les îles en faisant du cheval. Mais après, on dit, ben non, ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas de bateau, mais si, jusqu'à une certaine époque, on pouvait aller faire du cheval sur les îles par la péninsule. C'est fascinant et encore une fois, je ne peux que vous féliciter toutes et tous parce que je crois qu'on a un quasi sans faute pour ce quiz jusqu'à présent. Donc, vous connaissez l'histoire de Toronto sur le bout des doigts et ça fait plaisir. On va passer à un mot célèbre d'une personnalité qui aurait déclaré que Toronto était, je cite, New York dirigé par les Suisses. Qui a eu ce mot célèbre? Est-ce que c'est A, l'acteur Peter Ustinov en 1987, ou B, le maire de New York, Ed Koch, en 1982, C, l'ancien premier ministre britannique John Major en 1997,
Ou réponse D, le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev en 1988. Roland, je crois que c'est toi qui as levé la main en premier. C'est l'acteur Peter Ustinov. Ah. Nathalie, tu confirmes ? Exactement, encore une bonne réponse pour Roland, je note le point, c'est effectivement l'acteur Peter Ustinov, je le prononce sûrement très mal, Ustinov, ouais, en 1987, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion, entre parenthèses ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle était bien vue, bien sentie ? Bah, peut-être à l'époque, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. À l'époque, New York avait des gros problèmes de sécurité et de salubrité. La ville ployait sous les déchets, elle était assez mal entretenue, et en comparaison, Toronto, qui à l'époque commençait sa génération de croissance pratiquement ininterrompue en 40 ans, c'était quand même remarquable. Bah, c'est un compliment, c'est pas... Oui, exactement, oui. Est-ce que le compliment ne s'appliquerait plus aujourd'hui? Vous pensez que la ville, je ne sais pas exactement ce que pensait, ce qui était dans la tête de Peter Ustinov lorsqu'il a déclaré que Toronto était New York dirigé par les Suisses, mais on pense toujours pour ce qui est de la Suisse à la propreté, à la sécurité et au bien-être. Est-ce que vous pensez que c'est toujours des qualificatifs qui s'appliquent à Toronto? Je dirais que Toronto, certainement, n'a pas à rougir de l'efficacité de ses services essentiels, de ses services sociaux, de son système hospitalier, de son système économique. C'est une des très belles villes. Et quand on voit l'évolution de Toronto dans les 40 dernières années, Toronto a, je dirais, embrassé la modernité urbaine et mondiale, petite république libérale, multiculturelle, qui vaut la peine de découvrir. En effet, à qui le dites-vous, Christian ? Merci pour vos commentaires. Sans transition, passons à la 9e question déjà de ce quiz spécial Histoire de Toronto avec la Société d'Histoire de Toronto qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui virtuellement sur Choc. La dernière exécution de la peine capitale au Canada, la pendaison de deux hommes condamnés pour des meurtres distincts, a eu lieu à la prison d'Hun de Toronto. C'était en 1867, réponse A, 1956, réponse B, 1914, réponse C, ou 1962, réponse D. Quel serait votre avis sur cette dernière exécution capitale au pays qui a eu lieu donc à Toronto? De quand ça date, d'après vous? Roland? Je vais tenter B, 1956. Est-ce qu'on aurait d'autres propositions, Christine, peut-être? Moi, je proposerais 1962. D'accord. Et puis, Christian, est-ce que tu aurais une proposition? J'hésite entre B et D. La peine capitale a été abolie au Canada dans les années 70. Et ça faisait déjà, je pense, une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'exécution capitale. Alors, pour cette raison-là, j'irai avec B. Avec B, eh bien, du coup, c'est Christine qui nous donne une bonne réponse avec 1962. Effectivement, c'était la dernière exécution de la peine capitale au Canada. Donc, 1962, réponse D. Et ce n'est pas si vieux, ça nous fait réfléchir, en effet. Et rien n'est jamais acquis dans ce monde. Donc, on ne peut que se féliciter que ces peines capitales, je pense, soient abolies. 10e question déjà de ce quiz, donc on va considérer cette 10e question pour vous départager et puis ensuite si il y a besoin, et je demanderai à Nathalie, eh bien on pourra poursuivre un petit peu sur les questions pour vous départager. Les deux premières députées provinciales élues à l'Assemblée législative de l'Ontario, Agnès MacPhail et Rae Lecoq, ont conquis les électeurs de leur circonscription d'Eastyoke et de Bracondale, dans la région de Toronto, en quelle année? En 1885, réponse A. En 1918, réponse B.
1943, réponse C, ou 1898, réponse D. Les deux premières députées féminines. Question qui a l'air un peu difficile. Je vois des têtes un petit peu se pencher de gauche à droite, des petits trous dans les visages. J'hésite entre 1918 et 1943, entre B et C. Les femmes n'ont pas été déclarées comme personnes, je pense, avant 1927, non? Alors, c'est peut-être 1943. Christine, tu dis 1943. Christian, est-ce que tu aurais une proposition? Je dirais 1943 aussi, parce que les suffragettes, c'est 1918. Je pense que les femmes ont conquis le droit de vote vers les années 18-20. Alors, 1943, ça me semble assez, assez rationnel. Et Roland, pour conclure, est-ce que tu aurais toi aussi une idée de réponse? Je vais tenter 1918, puisqu'elles étaient des pionnières. Allons pour 18, qui sait? Eh bien, malheureusement, ce n'était pas 1918, c'était bien 1943. Christine et Christian, vous avez donc la bonne réponse. Christine ayant donné la réponse en premier, je vais donc accorder le point à Christine. Merci Nathalie. Alors, est-ce que tu peux nous donner le décompte à date de ce quiz? Alors, vu qu'il y a la question sur le sport du dimanche où personne n'a pu donner une bonne réponse, j'ai donc actuellement un match nul, une égalité entre Roland et Christine avec 4 points chacune. Donc, on va devoir continuer le petit quiz pour pouvoir vous départager, mesdames. Alors, on va continuer avec cette question historique sur un fait connu, mais peut-être aujourd'hui un petit peu oublié, dans les fameuses émeutes du jubilé de 1875 à Toronto. Que s'est-il passé au juste? Réponse A, des protestants attaquent des pèlerins catholiques irlandais qui se rendent à la cathédrale Saint-Michel pour célébrer le jubilé déclaré par le pape Pie IX. Réponse B, des catholiques irlandais lancent des pierres aux protestants lors du défilé annuel des orangistes. Réponse C, des émeutiers antisémites attaquent un groupe d'immigrants juifs dans un parc, celui de Christie Pit de Toronto. Ou réponse D, des émeutiers républicains attaquent des monarchistes qui célèbrent le jubilé de la reine Victoria par un défilé sur la rue Yonge. Vous apprécierez encore une fois la créativité des propositions. Il y en a une de juste parmi celles-ci. Laquelle d'après vous, mesdames et messieurs? Je vais m'aventurer, mais je ne suis pas sûre. Là, je pense que c'est B, les catholiques irlandais qui lancent des pierres aux protestants lors du défilé des orangistes. C'était vraiment, à l'époque, on se détestait pas mal de ce côté-là. Intéressant. Alors, Roland. Moi, j'allais prendre B aussi, alors je ne sais pas. Alors, on ne va pas vous départager puisque vous prenez la même réponse, mais Nathalie, donne-nous la bonne réponse. Je vais. Je suis quand même intriguée par la réponse de Christian. Donc, est-ce que tu as une réponse? Même si je ne suis pas en compétition, parce que je pense que j'ai seulement un point, je vais. C'est ça, aller... les calculs sont bons, Christian. Les calculs sont bons. Je vais aller avec la réponse A. Eh bien, comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras, Christian. Effectivement, c'est la bonne réponse, la réponse A. Les protestants attaquent des pèlerins catholiques irlandais qui se rendent à la cathédrale Saint-Michel pour célébrer le jubilé des C'est une déduction, tout ça, parce que Toronto étant une ville majoritairement protestante pendant longtemps, les protestants donc n'auraient pas admis que des catholiques viennent perturber leur défilé. Et puis, les émeutes antisémites à Toronto, c'est dans les années 30, où il y avait... Beaucoup plus tard. Alors donc, il nous reste vraiment déduction, une réponse. Mais Christian repart dans la course, alors, je vois. Eh bien, on va voir, on va devoir continuer. Est-ce que vous voulez une anecdote sur la reine Victoria? Mais oui, toujours. Avec plaisir, Roland. Alors, vous savez qu'à droite de l'entrée de l'Assemblée législative, nous avons une grande statue de la reine Victoria.
Alors, la première fois qu'on a, on a commandé une statue de la reine Victoria à Toronto dans les années 1870, la statue qui a été faite en Angleterre, et la statue, elle est reproduite dans beaucoup de villes du Commonwealth à travers le monde, eh bien, personne ne voulait payer pour. Parce que nous venions de déclarer la Confédération canadienne. Alors, on n'était plus tellement intéressés dans des statues de la reine Victoria. Cependant, donc la statue est repartie en Angleterre et elle a été installée en Inde. Vraiment? Alors, on va progresser dans le temps. Au début du XXe siècle, lors de la mort de la reine Victoria, Toronto s'est dit, il nous faut quand même une statue de la reine Victoria. Donc, on a acheté la statue, on a racheté une statue et on l'a installée au début du XXe siècle à la droite de l'Assemblée législative à Toronto. Alors, voilà, jubilé ou pas jubilé, il y a eu des histoires autour de commémoration célébrant la reine Victoria. Merci beaucoup, Roland, pour cette anecdote. Chers auditrices, auditeurs, vous pouvez apprécier l'incroyable savoir historique encyclopédique des membres de la Société d'histoire de Toronto dans le cadre de cette émission Droit de réponse 105.1, une initiative, je vous le rappelle, rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On a toujours besoin de poursuivre donc pour vous départager. Alors, voici la 12e question que nous avons sélectionnée pour vous. Une question qu'on aurait pu mettre en première position, tant elle est classique. Laquelle de ces propositions est une suggestion de la signification du nom de Toronto? Est-ce que c'est petit A, longue vue, petit B, grand ville, petit C, lieu de rencontre, ou petit D, grande pomme? Est-ce que vous voulez vous prêter, c'est Roland de nouveau qui a levé la main en premier, je crois. Oui, Roland. Alors, vous n'avez pas lu les documents de la Société d'histoire. Je vais dire aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses, parce que d'après nous, d'après l'histoire, ça serait le chevalier de La Salle qui s'est arrêté à Toronto et qui a écrit le premier dans ses mémoires, dans son journal, « Je suis à Toronto ». Et Toronto, c'était un mot qui englobait, on va dire, bien plus que le bassin de la rivière Humber, un petit peu et tout. Et pour les autochtones, ça voulait dire là où il y a des piquets dans la rivière ou dans l'eau. Et ça, c'était une façon de pêcher pour les autochtones. Alors, pour nous, le lieu de rencontre, c'est ce qui est préconisé maintenant parce que ça fait tellement bien parce qu'on est une ville multiculturelle, donc nous sommes un lieu de rencontre, mais pour l'origine du mot, ça ne semble pas être la vraie réponse. D'ailleurs, il y avait une pièce de théâtre écrite pour le Théâtre français de Toronto, là où les racines poussent dans l'eau, ben c'était ça, c'est l'histoire de Toronto. C'est écrit par une jeune... dont la mère est françaisquoise. J'ai oublié le nom de la jeune fille, mais elle a écrit une autre pièce pour le théâtre cette année. Et d'ailleurs, il y a l'origine française des pieux dans l'air, c'est les clés. Oui. Ça s'appelle des clés. C'était comme des barricades en poteau, et ils mettaient ça dans l'eau pendant la migration et le frayage des poissons. Donc, ça arrêtait les poissons, ils avaient juste à les prendre. Et au nord de Toronto, du côté de Barrie, vers le lac Simcoe, il y avait bien sur les cartes le lac aux clés. Il est toujours là, le lac aux clés, C-L-A-I-E-S, avec, au pluriel. Eh bien, merci pour encore une fois cette richesse d'anecdotes historiques. Alors, je pense qu'on va carrément considérer cette question comme nulle, puisque en effet, oui. vous avez bien fait de le préciser, ce lieu de rencontre que l'on désigne aujourd'hui. C'est comme ce que la mairie de Toronto. Voilà, qu'on essaie de mettre en avant, n'est peut-être oui, pas mais aussi. C'est pas, pour beaucoup d'historiens, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, bien. On passe alors à la 13e question qui est aussi peut-être. Facile pour vous, mais qui est intéressante pour nous rappeler, chers auditeurs, Toronto a été connu pendant une brève période sous le nom
de York. En quelle année ce changement s'est-il produit? Réponse A en 1793, B 1799, C 1790 ou D 1770. Je vois Roland qui dodeline de la tête, mais Christian a levé sa main virtuelle. Je vais dire, comme la réponse précédente, aucune de ces réponses n'est valide, parce que lors de la guerre de 1812, Toronto s'appelait York. Les Américains sont venus jusqu'à la ville de York et ont détruit la ville. Je pense que c'est 1834. Oui, le c'est l'anniversaire. 1834, oui. Le premier maire de la ville de Toronto, William Lyon Mackenzie, 1834. Donc, voilà, aucune de ces réponses. Alors, ce que vous dites, je crois, est tout à fait exact. Mais Nathalie, est-ce que tu peux nous préciser peut-être la raison pour laquelle on a sélectionné cette question et quelle serait la réponse qui était associée à cette question, en tout cas? Alors, la réponse qui était associée à cette question, c'était la réponse A, 1793. Et j'ai une petite explication ici. L'Ontario a tenu son premier parlement en 1792 dans la ville de Niagara, alors reconnue comme la capitale du Haut-Canada. Le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de l'époque, le colonel John Simcoe, décida cependant qu'il souhaitait changer la capitale en Toronto. Changea le nom en York. Toronto était considéré comme un emplacement plus stratégique pour une capitale, en plus de posséder plus de potentiel économique et d'opportunités commerciales, notamment en raison de son port bien établi. Toronto ne comptait que 12 chalets et une petite garnison en 1795. La ville ne fut rebaptisée Toronto qu'en 1834. Effectivement, la date est là, année de l'incorporation de la ville, date à laquelle la population atteignait environ 9000 personnes. Quand on compare avec aujourd'hui la population qu'on a à Toronto, c'est incroyable, on dirait un petit village. 9000 personnes, c'est vraiment tout petit. Quand on voit maintenant la densité qu'on peut voir dans les rues de Toronto, c'est assez incroyable. Merci Nathalie pour les précisions. Alors en effet, je pense qu'on va arrêter le quiz à cette 13e question parce que décidément, nos participantes et nos participants sont encore plus forts que nous et ont davantage de réponses et de précisions à nous apporter. J'espère que vous mesurez, chères auditrices et auditeurs, ou le savoir derrière la société d'histoire. Nathalie, est-ce que pour la postérité, tu veux nous donner le nom de la gagnante de ce quiz aujourd'hui? Justement, là, on est sur un ex aequo. Moi, si ça ne te dérangeait pas, j'aurais aimé qu'on puisse faire la question 14, qui, je pense, pour le coup, devrait convenir à tout le monde, parce qu'il ne devrait pas y avoir d'erreur d'histoire là-dedans. Je pense que ce serait la réponse qui pourrait... permettre à Roland ou à Christine de remporter ce quiz parce qu'on est toujours, ex aequo à 4 points. Donc malheureusement, Christian, ce ne sera pas pour aujourd'hui la victoire. Alors, mais on va essayer de passer à la quatrième question qui peut aussi, je crois, poser problème. Mais on va quand même la poser. Toronto est à l'origine de la plus longue route du monde, dit-on. En tout cas, c'est ce qui est souvent précisé dans différents manuels et dans différents guides touristiques, mais je pense que vous allez encore une fois peut-être nous dire que ce n'est pas vrai. Quel est le nom, en tout cas, de cette route? Est-ce que c'est réponse A, la rue Yang, réponse B, Dufferin, C, King ou D, Queen? Alors, c'est Christine, je crois, qui a levé la main premier. C'est certainement la rue Yang. La rue Yang, Roland, tu es d'accord? Ça ne peut être que la rue Yang. Mais vous pouvez avoir une question pour départager. La rue Yang, quand elle quitte Toronto, elle devient une route avec un numéro. Oh, l'autoroute 11. Voilà. Alors, vous avez parce que si vous cherchez la rue Yang sur les cartes de l'Ontario, il faut chercher la route 11 qui va jusqu'à... vous pourriez poser la question, jusqu'où va-t-elle? C'est ça, c'est bien ça. Alors, Nathalie, précise-nous quelques faits là, pour alimenter un petit peu le débat. Elle va jusqu'au Manitoba.
Alors, le système Toronto Pass s'étend sur environ 10 km au cœur du quartier financier et commercial du centre-ville de Toronto. Ah, Nathalie, je crois que tu n'as pas la bonne, le bon texte, me semble-t-il. Là, tu nous parles du Toronto Pass. On était sur la rue Yonge. La rue Yonge, c'est la, je vais vous le préciser, la plus longue route du monde, à 1900 km à peu près, qui s'étend donc des bords du lac Ontario jusqu'au lac supérieur. Mais évidemment, avec des noms un petit peu différents parfois, et cette appellation de plus longue route du monde est parfois un petit peu débattue. En tout cas, je pense qu'on va avoir du mal à vous départager tant vous êtes. J'ai une gagnante avec cette dernière réponse. Donc, avec 1, 2, 3, 4, 5 points, c'est donc Christine qui remporte ce quiz spécial Histoire de Toronto. Est-ce qu'on peut vous poser une question sur le lac supérieur? Pourquoi s'appelle-t-il lac supérieur? Oh là là. Sa position géographique, non, ça ne va pas être ça. Voilà, si, c'est ça. C'est ça? C'est ça? C'est parce qu'il est le plus au nord. Eh bien, voilà, tout simplement. En tout cas, je constate que vous avez une connaissance absolument incroyable sur l'histoire de Toronto et du Canada, même plus largement. Est-ce que vous voulez peut-être partager un petit peu des faits et la manière dont on peut vous retrouver, et plus encore, quelle serait votre actualité à la Société d'Histoire de Toronto? Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour vous retrouver? Je pense que vous avez un site Internet. Un site Internet, une page Facebook et un compte Instagram. Alors, nous sommes actifs dans les réseaux sociaux comme des gens qui se doivent d'être modernes. C'est bien ça, malgré le fait historique. Vous organisez très souvent des visites, des conférences, des rencontres. Alors, est-ce que vous avez une actualité prochainement où on pourrait vous retrouver? Alors justement, le 31 juillet, nous aurons une visite guidée sur le thème « Il y eut presque un quartier français ». Parce que c'est ça qui est assez curieux dans la communauté francophone de Toronto. Il y a eu un petit quartier français, on va dire, au début dans les années 1900 et quelques au début, mais il n'y a pas de quartier français, comme on pourrait dire, un quartier portugais, un quartier grec et tout. Alors, de temps en temps, on présente vraiment un peu le berceau, un ancrage de communauté francophone autour de la première paroisse catholique de langue française. Parce que nous avons parlé des Irlandais, mais il ne faut pas croire que les catholiques irlandais et les catholiques français allaient... écouter le même sermon tous les dimanches, donc c'était qui était. Même si ça se passait tout en latin, c'était pas pareil. C'était pas pareil, oui, c'était pas pareil. Merci Christine pour la précision. J'allais dire que la langue était un barrage probablement, mais non, c'était le latin qui était prédominant, bien sûr. Bah oui, mais on se rencontre quand même entre nous après la messe, donc il n'y avait pas cette communauté possible après et avant la messe. Alors, donc, la visite guidée sera à partir de 13h30, le 31 juillet, et on se rencontre au carrefour de la rue George et de la rue Queen Est, qui est tout à fait à l'est de Jarvis. Pour s'y rendre, c'est le tramway 505 de la rue Queen, et on arrête à Jarvis et on trouve tout de suite le point de rendez-vous pour cette visite guidée. Alors, on a des visites guidées vraiment pour raconter l'histoire française de Toronto, qui est très mal connue, et puis l'histoire de Toronto en général, mais en français. Et on est le seul organisme patrimonial qui fait des visites guidées en français. Et c'est ô combien précieux pour nous autres, et puis j'imagine aussi pour tous les gens de passage, tous les touristes. Alors, on essaye de mettre en avant vos belles activités. Comment fait-on pour s'inscrire à ces visites? Il suffit de venir. Alors, elles sont gratuites. Venir à 13h30. Les visites sont gratuites, oui. Mais on passe le chapeau après la visite. Absolument, absolument. Ben oui, c'est un travail extraordinaire que vous faites. Donc, il faut souligner à quel point il est important de soutenir ce travail patrimonial.
Et puis, j'ai quelque chose à mentionner, c'est que quand on va reprendre nos conférences au mois de septembre, c'est la conférence de M. Christian Martel qui expliquera l'histoire de Choc FM à l'Alliance française. Donc ça sera, faudra faire beaucoup de publicité de votre part. Absolument, j'allais vous en parler. En effet, ce sera le 21 septembre à 19h au Théâtre de l'Alliance française, si je ne m'abuse. Oui, on vous donne déjà rendez-vous, chers auditeurs, mais en effet, une conférence d'un des pères fondateurs de la coopérative radiophonique de Toronto, notre ami Christian Martel. C'est encore une fois et encore plus à nos yeux très précieux. Merci d'organiser ces beaux événements. Est-ce que vous avez les uns et les autres un mot de la fin pour nos auditeurs? On va peut-être faire un petit tour de table pour vous donner la parole. Encore une anecdote historique ou un appel aux auditeurs. Oui, alors j'aimerais souligner pour toutes les communautés culturelles un des défis que les associations d'histoire ont à faire maintenant, c'est que, évidemment, la démographie du passé et la démographie du présent à Toronto sont tout à fait différentes. Et si les communautés culturelles voudraient avoir des visites de lieux qui ont été importants pour elles, de lieux où il y a eu des événements fondateurs pour leur association, pour leur développement, qu'ils nous contactent et on va organiser des visites guidées. L'appel est lancé. Merci, Christian Bode. Est-ce que vous avez un ouvrage de référence à nous conseiller, peut-être sur l'histoire de Toronto ou plus largement, pourquoi pas, sur l'histoire de la francophonie locale, sur l'histoire des franco-ontariens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait référence, qui serait à vos yeux peut-être important de connaître? L'histoire de l'origine de l'histoire française de Toronto a été écrite en anglais. Toronto under the French regime, mais il y a très peu. Il y a pas une, je ne peux pas penser à une publication qui couvrirait tout ça, mais il y a de nombreuses publications ici et là. Il y a des publications sur l'historique des paroisses, il y a des publications sur l'historique des écoles françaises. C'est là, mais c'est ici et là. Mais si alors voilà une suggestion, si je puis me permettre, pour les étudiants en histoire qui nous écoutent, peut-être d'un beau sujet de recherche, d'un beau sujet pour transmettre le patrimoine francophone ici, localement. Non, sur notre site web www.sht.ca, les gens peuvent aller consulter nos anciens bulletins, ce qui donne pas mal de choses que la Société d'histoire a accomplies. Il y a les conférences qu'on a organisées. On peut aussi cibler selon les questions, on peut cibler des apports, des livres, d'autres sites, d'autres personnes de la communauté qui peuvent renseigner les étudiants, par exemple. De son côté, Paul-François Sylvestre, que vous connaissez bien, a écrit un livre sur tous les parlementaires francophones de l'Ontario. Il a écrit un livre sur les communautés religieuses de l'Ontario. Il a écrit un livre sur les noms français des rues de Toronto, leur origine. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de publications, mais il n'y en a pas une qui comprendrait tout, qui pourrait répondre à toutes les questions. Il y aurait peut-être quelques articles dans le Chaînon aussi, qui est une publication, je ne sais pas, provinciale. Périodique, ouais. Là. Il y aurait quelques articles là-dedans, je pense. Mais comme tu dis, Roland, il n'y a rien qui réunit tout encore. Là. Ce serait un ouvrage à faire là, si quelqu'un veut faire une thèse de doctorat. Il y a aussi Guillaume, Patrice. Peut-être? j'avoue que l'idée me tente, en tout cas peut-être un travail pour ma retraite, mais c'est certain qu'on aura tous à gagner à mieux connaître notre histoire. Merci en tout cas pour votre magnifique travail, pour tout ce que vous faites
pour faire vivre et maintenir la mémoire de la présence française à Toronto et localement. Je rappelle le site internet sht.ca, c'est la Société d'histoire de Toronto qui nous faisait le plaisir de se joindre à nous sur les ondes de choc pour cette émission Droit de réponse 105.1 avec autour de la table virtuelle Madame Roland Smith, Monsieur Christian Bode et Madame Christine Pilote-Ruland, ainsi que Nathalie Salmeron pour m'accompagner à l'animation. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt. Thank you.